Milolo, 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 gloire à Jésus. La Bible dit à la loi et au témoignage, si vous ne parlez pas ainsi, l'aurore n'apparaîtra point. Tonitoyo ka témoignage, ezali pe enseignement ponayo ponanga. Alléluia. IFMC, alléluia! Centre Pénien, alléluia! JCC, Avant la banda, ko témoigner, nako sambela nanu. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même. Dieu Tout-Puissant, na yenzambe na bomo ikokumisa kombo na yo. Na lobi papa, tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette grâce. Merci pour ta faveur divine. Zambe merci pour nangolo na yo nesika oyo. Yesu na bomo, je suis venu témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, de ce que tu as fait dans la vie de ma fille. Jésus, merci. Papa, tikete makila ayon zambe ezingabiso. Tikete mon Dieu, mon roi, papa, molimo mon sang, tu es abiso en charge. Que cet témoignage, Seigneur, apporte la délivrance pour ton peuple. Que ça puisse, Seigneur, de gloire, papa, guérir le malade. Mon Dieu, mon roi, que ça puisse élever ceux qui sont courbés. Seigneur, merci pour ta grâce. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nazo s'est présenté comme Nangai Dorcas Kaumba. Kaumba eza kombo chéri nanga. Je suis venu témoigner pour la guérison ya mwana nanga Jaël. Dabani ministère dans Mboka ya Mbujimayi. Je suis venu au ministère nazaki na ba problème ba condamnation malédiction tout ce que je faisais ezayi kotambola te bataye kinga nzambe ya combat spirituel. Tango na komi na combat nazaki na zemite j'avais déjà d'autres enfants. Na komi na komba nde nzamba yeko pesa grâce na yeko zwazemi ya mwana oyo Jaël aza mwana nga ya mine. Na komi na 3 mois à 4 mois ya grossesse nazaki na kati ya prière na zui révélation na moni yaya nanga moko ya libota. Aye, place nazalaki menakati ya pongi. Azoi sabato azaki na bango,
Elle va s'adresser aux gens qui étaient avec eux. Je ferai un effort de transformer la foi qui est dans ton ventre. Il faut que tu aies un monstre. Nous voulons faire de cet enfant un monstre. Et là, c'était un rêve. Là, j'étais encore aux affermissements, aux enseignements. J'aimais beaucoup la prière. À un moment, je me suis entré en prière. J'ai commencé à prier, à renoncer à tout ce qui a été dit contre la naissance de mon enfant. Tu as évolué. Tant qu'on a commis na 9 mois, na bandi ba contraction, moi na zo bota kakate. Et après 9 mois de grossesse, quand je voulais accoucher, je ne parvenais toujours pas. Tu as commis na 10 mois. Au 10e mois, na zo bota kakate. Je ne parvenais pas toujours à accoucher. Tu as commis que déjà 11 mois. Et nous étions déjà au 11e mois. Voilà, le docteur a le biba na za la interné. Les médecins vont nous demander d'être internés à l'hôpital. A combien interné, premier jour, deuxième jour, na zo botate. Après 3 jours, je ne mettais toujours pas en montre. Ndenge ezalaki veda na yebisika ka munganga wa ezaki wana na yebisie na zo lelo ki ndola na ndako na oyo kozonga na tongo. Et comme cette semaine il y avait la veda, j'ai demandé au médecin si je pouvais rentrer à la maison et revenir le matin. Na bimi na butu na keti na place ya ministère bise tozai ko sambela. Et là, quand je suis allé là où il y avait le siège du ministère. Et j'étais dans cette veille, mais il y avait une forte puissance de Dieu. Et j'étais emporté par la prière. J'étais même tombé. Après, les hommes de Dieu ont prié pour moi. Jusqu'à ce qu'à 5 heures, je suis retourné à l'hôpital. Jour où on a le médecin à Lubaki, Bako Pasolanga, le lendemain, Denga na Kimakina na Makolo Ayesu, na Yoko Zonga, Mutumokota, Yebaki Teke, na Lala Kilibanda, hôpital, Pena Zaki na Katia ministère. Et ce jour-là, celui qui avait pris la parole, homme de Dieu, avait donné une parole. Le médecin. C'est le médecin qui avait donné. Il avait décidé pour Asalanga Césarienne. Et le médecin avait pris la résolution de m'opérer. Tant qu'on a Zongi, et quand je suis rentré après la veille d'âme, j'ai accouché normalement. Quand j'ai accouché, le bébé ne pleurait plus, ne pleurait pas. C'est lui le médecin qui me suivait du début jusqu'à la fin. Attendez, 11 mois, non, dengue moi na bimé, moi na bimé, azana 1 point quelque, y a kilo. Et jusqu'à 11 mois, quand l'enfant est né, elle n'avait pas assez de kilos, c'était 1 kilo point quelque chose, et l'enfant ne criait toujours pas. Et les kéliba médecins, 11 mois, ba test nyon sur échographie, tout et tout, mais moi na, azo, on dirait moi na, y a 6 mois, net prématuré. Et la femme était sortie comme une prématurée, elle ne faisait aucun bruit. On l'a amenée à la couveuse. Je suis allée à la couveuse. Et c'est mon mari qui avait vu l'enfant quand on l'a amené à la couveuse. Et mon mari va me dire, hey, la foi, comme on a crié au Dieu de papa et maman Langi, ce Dieu va agir. Et là, nous étions encore au début aux enseignements, aux affermissements. Nous étions séparés de tout le monde, nous étions restés seuls en train de chercher la face de Dieu. Et à la fin, je suis entré là où il y avait le bébé à la couveuse. Ce qui a fait que je puisse identifier ma fille, c'était juste l'habit qu'on avait fait porter. Il y avait des malformations. Misu esali nete bimi on dirait caméléon po ya au lieu de la noire elle était mauve.
Même la couleur de sa peau était mauve, les yeux n'étaient pas normaux. C'était pas facile de la regarder. Tango bache na couveuse, moi na moko pe azaki na couveuse. Azaki pe bien. Maman na ye tout le temps ko fongola couveuse ko kanga. Na yisi maman. Oyo azayanga za muke makasi. Tango zo fongola tout le temps. Je risque de perdre l'enfant. Et il y avait aussi un enfant qui était à côté et sa mère tout a ouvert et fermé. Je lui ai demandé de ne pas continuer à ouvrir et fermer parce que si l'air entre, ma fille risque de se perdre. Donc quand elle a dit que banga nankele atali baye kocha mwana oyo azalokola mutute place moko mwana naye alobi nazo protéger mwana nanga. Et cette maman va me répondre, moi je suis en train de veiller sur ma fille. Et le lendemain et le jour qui a suivi, cet enfant était mort. Et c'est ma fille qui était restée. Chérie, nanga zayi kolala nanda kute, azayi kolala place au basi, tango baya kopesa biso biloko kolia, azawana akokenda kotala basi ya maternité te akotala mutu te, azokende kaka ko arracher corps à esprit ya mwana, akangi ba cimetière. Et mon mari était toujours présent à l'hôpital, à la maternité. Il était en train de prier tout le temps. Il faisait la prière de combat, il bloquait les frontières, il arrachait le corps et l'esprit de l'enfant. Et nous nous étions dit, si cette fille meurt, les gens ne vont pas croire à ces dieux. Tokomi, 12 heures. Et le ventre de l'enfant a commencé à gonfler. Et le médecin va venir, on a mis des sondes, on a commencé à curer l'enfant. Il y avait beaucoup d'eau qui était sortie. Ti ba missionnaire ba yeko tinda équipe na hôpital, ba telemi liboso couveuse. Et les missionnaires avaient envoyé une équipe et ils ont commencé à prier, ils ont commencé à invoquer Dieu, on faisait descendre le feu pour l'enfant. Et dans la prière, Dieu va restaurer la peau de l'enfant et sa peau a commencé à redevenir normale. Après une semaine, babimisi mwana na kati ya couveuse. Après une semaine, on va sortir l'enfant de la couveuse. Et j'avais du mal à prendre ma fille. Ma fille était tellement petite. Moi, j'ai communiqué très la mince. Fois. Tu ne mourras pas. Tu vivras, tu rencontreras les oracles de Dieu. Et j'ai dit à ma fille, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Après deux semaines, Tobimi balobi obima lelo na maternité. Et après deux semaines, nous sommes sortis de la maternité. Ndenge na longwaki na ba camarades na libota na zaki isolé. Comme je m'étais séparé de tout le monde, la famille et les amis. Chérie nanga akanyika porte yekotike langa fungolo na maternité. Et mon mari va fermer la maison, va me laisser la clé à la maternité. Wana tozole kapé ba désert makasi. Et là on n'avait rien, on était dans la sécheresse. Na bimi na jupe mutuka na mwana nanga na gumbié. Et quand nous sommes sortis de la maternité, j'ai pris ma fille, nous sommes rentrés jusqu'à la maison. Personne ne savait pas que j'avais mis au monde. Et quand nous sommes arrivés à la maison d'ailleurs, les gens ne savaient même pas que j'avais mis au monde. J'ai prié, j'ai plaidé le sang de Jésus à la maison. Une semaine après sortir de la maternité, mutolo ya mwana ebandi kovimba. Après une semaine de la sortie de maternité, l'ombri de l'enfant a commencé à gonfler. Nous sommes encore rentrés à l'hôpital. Et cette fois-là, on va encore réopérer l'enfant. On a mis des mèches. On a commencé à traiter l'ombri de l'enfant. On a commencé à suivre le traitement de l'enfant jusqu'à ce que nous sommes retournés à la maison. Et Dieu, par sa compassion, a fini par guérir notre fille. Après, c'était un autre problème qui a commencé. Elle faisait pipi, il y avait du sang qui coulait. Même les voisins, à chaque fois qu'elle voulait faire pipi, elle criait. Même les voisins devraient savoir que cette enfant voulait.
Elle va pleurer amèrement. Tango toke na échographie batani balobi aza na malformation ya sexe. Et quand nous sommes arrivés à l'échographie, on nous dira que cette fille a une malformation au niveau de son sexe. Ndengenga déjà nzamba pesa nga révélation. Comme j'avais déjà une révélation de la part de Jésus. Banga ba changer moi na ba komisa ye kizenge. On voulait faire de ma fille une dingue. C'était déjà ma victoire. On est allé longue en angai. On a allé chaque fois dans ce qu'on découvre en profondeur, dans ce qu'on découvre traiter révélation. Et chaque fois que j'entrais en prière, je priais sur base de cette révélation. Malgré au diable, ça y est, qu'on ma forme à plusieurs maladies. Moi, j'avais la foi qu'un jour, moi, en angai, à côté de l'ensemble, papa. Quoi que le diable me faisait voir des successions de maladies, mais je savais un jour que ce Dieu allait se lever pour guérir ma fille. Tango ba tokomi na échographie, le médecin me dit, madame. Qui s'y a coupé ça, exacte, moyen coopérer en exacte, elle va rester comme ça toute sa vie, collée là, pebako la gâte, tant moussou sur mon opère de moine. Et le médecin va nous dire après l'échographie, bon, écoute madame, il n'y a pas un traitement par rapport à ça, je crois que ta fille va continuer normalement comme ça, elle va crier tout le temps, elle va grandir, peut-être elle va mourir à la longue. C'était à l'hôpital Bonzo là, Bato Bazao et Mbujimai Baebi, et ça hôpital Mounene à place. Et c'était en Mbujimayi, les natifs de Mbujimayi connaissent cet hôpital de Bonzola. Ndenge nazaki déjà ngana chéri nanga liboma ya nzamba papa na mama olangi. Malgré tout ce qui s'est passé, nous on avait vraiment foi à ce Dieu de papa et maman olangi. Alobi bokende bokozonga après 2 mois. Et le médecin va nous dire allez, vous allez retourner après 2 mois. Tango tokomi na ndako. Quand nous sommes arrivés à la ngana maison. Ngana chéri nanga totiki mbe tokiti na se. Mon mari et moi, nous avons commencé à prier, à coucher la même leçon. Chaque minute, tu as changé la stratégie à prier. Nous avons changé la façon de prier. On a commencé à invoquer ce Dieu. On a commencé à prier. Et tu as dit une semaine pour 2 mois et coca. Tu as dit que 2 mois et coca. Ce médecin-là, il faut qu'il y ait un Dieu qui peut guérir. Et par rapport au rendez-vous qu'on avait avec le médecin, dans 2 mois, nous avions dit à Dieu, Seigneur, il faudra que ce médecin reconnaisse qu'il y a un Dieu qui guérit. 2 jours avant que le contrôle, dans Tovandi, dans Zozela, moi, na Souba, Pona Longola, Nane Kouche. 2 jours avant que nous puissions voir le médecin, j'attendais à ce que l'enfant puisse faire pipi et que je change la couche. Tozeli, moi, na Lela, Gate, Banda Tongo. Et on attendait à ce que la femme, comme d'habitude, si elle voulait faire pipi, devait prier. Mais cette fois-là, la femme n'a pas crié, elle n'a pas pleuré depuis le matin. Nous étions déjà 11h. Et là, moi, je me posais trop de questions. Entre-temps, la femme avait déjà fait pipi depuis le matin. Et comme l'urine coulait, c'est là que je me suis rendu compte que la femme avait déjà fait pipi. Et quand j'ai ouvert la couche, il n'y avait même pas les gouttes de sang. Acclamons le roi des rois. Nous sommes allés voir les médecins. Devant la machine. Médecin a commis un mot pour changer les longues. Et le médecin ne pouvait pas nous regarder. Atala abalusa écran boy, mabe a changé modèle, mabe so peut toujours observer. Le médecin cherchait à connaître exactement ce qui se passait. Nous on observait le médecin. Ba moko ebi papa. Bosalinin. Et le médecin va poser la question à mon mari, qu'est-ce que tu as fait? Biso to bi to sali le côté, to pensi ki cité, to ke pe hôpital mususu te. On lui a répondu, on n'a rien fait, on n'est pas allé aussi consulter notre médecin. Ayobi bosambela web. Et le médecin va nous poser la question, où est-ce que vous priez? Et nous avions répondu au médecin que nous croyons au Dieu de papa et maman Olangi. Et le médecin va nous répondre, c'est toujours avec les gens de maman Olangi. Totali forme à sexe normal. Et la malformation qu'il y avait dans le sexe de l'enfant est devenue normale. Nous sommes retournés à la maison. Et ça nous a encore augmenté la foi. Là, mon mari était encore dans le chômage. Moi aussi, je ne travaillais pas. Et là, on ne s'intéressait pas aux biens, aux relations de la famille. On ne s'occupait même pas de ce qui était de nos amis. Vraiment, biso moko isolé,
face à face au Dieu de papa et de maman. On s'était retiré, on voulait découvrir ce que Dieu de papa et maman peut faire. Je crois que les missionnaires en Bougema et Baza Awa. Je pense que les missionnaires qui étaient en Bougema sont présents ici. Et ils peuvent témoigner de ce que nous sommes en train de témoigner. On était vraiment assidus. Pas de distraction. Tozaki molende na mabondeli. Étant pour Neleki. Après cela. Moi na bandi mutema. Et c'était le problème de cœur. Mutema passe. La foi commençait à avoir mal dans son cœur. Naeko là la na ba prière nzamba pesi révélation. Un jour dans la prière, Dieu va me donner un rêve. Na moni bache moi na moi boye na lituka. Et j'ai vu qu'on a mis l'enfant sur un étalage. Et l'enfant était sous un rayon solaire accablant. On l'a fait avaler les sachets. Quand j'ai tiré ces sachets, et c'était un rêve. Révélation. Là, c'était juste un rêve. J'ai commencé à traiter cette révélation. J'ai commencé à arracher dans la repentance, enlever ces sachets qui étaient dans le cœur de l'enfant. Symposium ayé. Et là c'était le symposium. Naye na symposium chéri na ngati kali na bana nyonso nga naye ka naye. On a annoncé le programme de symposium, mon mari est resté avec les autres enfants, moi je suis venu avec cette fille. Na banzi bato to yeki na bango na avion wana. Na teka ki maputa, je me souviens bien, j'avais vraiment vendu biloko ndako pona zwa ticket pona yokoluka guérison moi na symposium. Si je me rappelle, j'avais tout vendu ce qui était comme bien, mes pagnes, mes bijoux. Pour venir chercher la guérison de ma fille. Donc, sans forme, moi, kolemba, mona pensa que moi, oyo, aza biente. Et à bord de l'avion, les gens regardaient ma fille, les gens disaient peut-être que cet enfant n'est pas en bonne santé, il n'a pas une longue vie. Moi, j'étais fier parce que je me promenais avec un témoignage vivant. Et moi, j'étais très fier parce que j'avais des révélations concernant ma fille. Tant que tu connais ma source, ma délivrance, que les carabacures dans mes délivrances, bana baye koya, chérie nanga paye kolandanga. Après le symposium, nous sommes restés, nous avons continué à chercher la face de Dieu au passage dans les délivrances. Ensuite, mon mari et les autres enfants nous ont rejoints ici. L'enfant souffrait toujours. Moi, nazagi kobe la kaka. Wana nyonso diable azo stala bongo po la kisa malgré révélation aujourd'hui, guérison est impossible. Mais à Mikosa Kipo, ngai nakuta nakina nzamba papa na mama olangi. Et là le diable cherchait un peu à me diminuer la foi, mais moi j'avais crié à ce que ce Dieu de papa et mama olangi m'avait donné comme révélation. Oyo mama yebisaka biso, il faut kolakisa bana nzela ya nzambe. Et maman nous dit souvent, il faut montrer à l'enfant le chemin de Jésus-Christ. Na vraiment na koti ce qui bana nanga pri non kolakisa bango nzela ya nzambe tout le temps na ba chaîne de prière na ba veillé. Notre maison est ce qui vraiment maison est prière. Et tous mes enfants connaissent le chemin de la prière et notre maison était vraiment une maison de la prière. Par la grâce de Dieu, cri de l'enfant est yé. Et ensuite Dieu a donné un autre message, c'était sur le cri de l'enfant. Zamba bonisaka makambo na lolenge na ye. Dieu fait des choses à sa manière. Ce qui a moni côté chaîne de prière et aux simbaté koto ezo simbaté nzamba ko ressusciter loko moko pour la délivrance ya batu mususu. Et si partout vous allez ça ne marche pas, la chaîne de prière, la quarantaine, à l'intercession partout ça ne marche pas, Dieu peut susciter un programme seulement pour vous donner solution. Dans le cri de l'enfant ayé. Et quand on a annoncé le programme de cri de l'enfant, pleureuse payée. Et les mamans pleureuses, c'était le même programme. Gana mizindi si na pleureuse. Moi je me suis lancé à la pleureuse. Papa mizindi si na quarantaine. Et mon mari était à la quarantaine. Bana ba mizindi si na cri de l'enfant. Et les enfants tout le temps au cri de l'enfant à la JCC. Toyebi si nzambe. Nous avions dit à Dieu. Vendredi nyonso. Tout chaque vendredi. Bo bana nga baza na béré. Parce que mon enfant étudie à béré. Toyebi si nzambe vendredi nyonso. Bana nga na kobanda koya ko zwa bango kaka na 18h. Et j'ai dit à Dieu, chaque vendredi, je viendrai prendre mes enfants que après le programme de cri de l'enfant. Na conscientisé bana accepter de souffrir pour votre délivrance, na délivrance en dekonabino. Et j'ai conscientisé les enfants, je leur ai dit, bon dimabo mona pasi ka seza pona bola mona bino pona bokango la minabino. Ceux qui béret et sifflet. Si vous terminez le programme de l'école à béret. La grande fille a eu tout le diplôme de Bora, hier a zaki na chambre haute, a gotika la kuna na chambre haute. Ceux qui basili si bangonyo so. Notre grande fille qui vient d'obtenir son diplôme d'état, elle prenait tous ses sœurs et frères et les amenait au cri de l'enfant.
Bokoyoka mwana prière oyu ya salaki ya cri de l'enfant pour nzambe akoka na ukangula. Et vous allez entendre ce que cet enfant fait comme prière au cri de l'enfant là, je sais pour que ce Dieu le guérisse. Toyeko kene na hôpital moko munene pe ya place kuna médecin le bien en tout cas problème amutema na ye makila ezana le dusu. Makila zo kende ba sens contraire donc moyen guérison. Et ça passe, il faut qu'il y ait un hôpital minéne à l'étranger. Et quand nous sommes allés dans un centre hospitalier de la place, un grand centre hospitalier de la place, les médecins vont nous dire, cette enfant est réellement un vrai problème du cœur, il faut aller peut-être dans un pays étranger pour les soins. En même temps, l'enfant souffrait, mes bien-aimés. Entre temps, moi, je suis allé passe. Je suis allé à la place, je suis allé à la place, je suis allé à la place, je suis allé à la place. Et cette fille ne pouvait pas bien manger, elle ne pouvait pas bien jouer, elle avait tout le temps du mal dans son cœur. Après avoir continué à faire continuer dans le cri de l'enfant, toyoko kende sikoyo na ngaliema comme la pédiatre pour le contrôle. Après le programme de cri de l'enfant, un jour nous sommes allés voir le médecin pour le contrôle. Tokomi pédiatre atinde biso na ba examen. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le pédiatre va nous recommander les examens. Et nous avions sur place rencontré une enfant qui avait aussi les mêmes problèmes, mais elle est un peu plus petite par rapport à elle. Pour examiner, parce qu'il y avait que deux familles, le médecin va nous dire non, faites vite, comme ça on va entreprendre les démarches pour évacuer l'enfant dans un pays étranger. Sache que le Dieu que moi j'ai rencontré, c'est un Dieu fort. Et cela m'avait un peu tiqué, m'avait dépassé. Mon mari m'a regardé, m'a dit qu'est-ce qui se passe, tu as peur de quoi? Sache que moi j'ai rencontré Dieu très puissant, un Dieu fort. Et aujourd'hui, on va découvrir que dans le corps de cet enfant, il n'y a plus cette maladie. Oh, il y a ça, JCC. Comme elle est JCC. Oh, il y a ça, JCC. T'es différent, c'est ça. Et l'autre enfant, là, n'est pas JCC. Il y a une différence entre les deux enfants. Tango toleki na examen. Après le contrôle. Moutoua, ça y est, pour examiner, c'est un médecin. Et c'est un médecin qui faisait ses examens. Toki, pour amener et l'autre événement, moi, je suis lié du bosso. Et le médecin a vu ce qui s'était passé. Événement. Et moi, j'ai surnommé ça comme un événement. Atali et Bangisie. Ça a dépassé un peu les médecins. A Bengi o ya zayi ko assister. Il a appelé son assistant. Bas bandi kotala kotala. Desi ko totuni za nini. Et nous avons posé la question, médecin, qu'est-ce qui se passe? A bandi ko expliquer alobi phénomène na moni ezo lekelanga po isa la makate. Et le médecin va nous dire, ce que je suis en train de voir, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis médecin. Cet enfant avait un problème de cœur. Il y avait un trou dans son cœur. Et les médecins connaissent les termes appropriés. Pour couvrir ce trou-là dans son cœur, il faudra nécessairement une opération. Si vous avez un problème de cœur, vous avez un problème de cœur. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois. Le médecin va dire, ce que je suis en train de voir, c'est comme vous voyez faire un mur ça? Où on a pavé et on a mis le petit. Qui peut faire ça? Hey! Nous pouvons acclamer pour le roi des rois, le roi des rois. Qui peut faire ça? Nani? Nani? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus, le grand médecin? Amen. Tango, médecin moni ndenge wana donc, etikali trace médecin nyonso, soki asali examen romona ke, etikali lembo. Et après ces examens, à chaque fois qu'un médecin pouvait. Et ça, le trou,
Il y avait quelque chose d'anormal. Et quand vous regardez dans la machine, vous constaterez que il y a bien qu'on a couvert ce trou là, mais vous allez voir qu'il y avait un trou ici et qu'on a couvert ça. On a posé la question au médecin, qu'est-ce qui s'est passé? Et le médecin n'a pas si nous dit quelque chose, il a dit le mieux serait que j'appelle le pédiatre. Il nous a donné les résultats dans une enveloppe pour qu'on remette entre les mains du pédiatre. Quand nous sommes arrivés auprès du pédiatre, on lui a remis l'enveloppe. Quand le pédiatre a ouvert l'enveloppe, le pédiatre a été surpris. Ah, ce qu'on dit, c'est que tout ça. Et nous, on observait le pédiatre. Et là, le pédiatre ne parlait pas, il nous regardait aussi. On a posé la question au pédiatre. Qu'est-ce que tu as vu? Quelque chose, on a expliquer. Et le pédiatre dira, je n'ai pas quelque chose à vous expliquer par rapport à ce que je vois ici. Il y avait quelque chose. On a monté la machine réellement qu'il y avait une malformation. Mais déjà, ils ont traité peu basipili dessous. Et on a dit qu'on a soigné et on a couvert ça. Maintenant, j'ai posé la question au médecin. J'ai posé la question au pédiatre. C'est qu'un phénomène, et ça, la marapore, Arabi, ça ne se fait jamais. C'est un miracle de Dieu. Le médecin va me dire, le pédiatre va me dire, ça ne se fait jamais. Et ça, bika moyanza, bébé, t'es là, sous ma boko. Golou. 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 Tango toyeko zonga elekela kibiso tolobi ah batu bakanisa kuna nanga kuna oba Jésus noti makelele ndoka nde eza prière penza oyo ezo guérir météo. Et des fois quand on voit les enfants venir au cri de l'enfant à la JCC, les gens pensent que les enfants viennent faire des bruits, or viennent réellement invoquer Dieu qui guérit. Mukolo makamu tokendaki naye ayeba kite kazu guérison. Elle-même, elle la concernait, ne savait pas qu'elle avait déjà la guérison. Quand nous sommes retournés à la maison, j'ai entendu que tous les enfants rentrent. Et nous étions tous au salon. L'enfant souffrait toujours, il avait mal. Et comme tous ses frères et sœurs savaient que leur sœur avait un problème du cœur. Et elle-même va commencer à leur dire, le Dieu de papa et maman a agi. Chose grave. Oui, makambu, Jaël. La concernée, Jaël s'est jetée à même le sol. Elle-même va parler. Elle a commencé à adorer Dieu. Yé moko akoloba. Et nous tous avions commencé à pleurer dans l'adoration. To sali même une heure, to tchè musique, to bandi adoration, même une heure d'adoration. On avait fait une heure d'adoration pour ce que Dieu a fait. Opération, nous ne sommes pas allés en Europe, mais nous ne sommes pas allés. Mais c'est le docteur Jésus lui-même qui a opéré des miracles. Depuis ce jour-là, l'enfant mangeait difficilement. J'ai faim. À chaque fois, il commençait à dire, bon, moi j'ai faim, je vais manger. Et puis, même quand il prenait de l'eau, il avait du mal. Dieu a fait beaucoup de choses. Je vais passer le micro à Jaël elle-même qui va témoigner. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je remercie papa et maman Olongi. N'appelle-t-il ma tonne de pas, papa et maman Olongi? Vous savez que les deux de papa et de maman Olongi m'a guéri. Pour na bolobiko zamba papa na maman Olongi abiki singai. Il m'a sauvé de la maladie du cœur. Abiki singai na bokono ya motema. Je souffrais de la maladie du cœur. Quand on partait au cri de l'enfant, je pleurais, je criais. Je disais à Dieu, Dieu fils de David, aie pitié de moi, pardonne-moi. Qu'est-ce que je te fais, Jésus fils de David, pardonne-moi.
Qu'est-ce que je te fais, Jésus? Aie compassion de moi, Jésus. Nabi Yesu yokelanga mawa. Et puis quand je pleurais, ma jupe est venue nous prendre. Je suis monté dans la jupe, je pleurais. Tango motuka yoko zoabiso, tango na matina kata motuka na baneka akolela. Et quand me posait la question, tu pleures, je disais non, je pleure pas, j'ai mal aux yeux. Tango bando tunanga motuna ozolela, ngabi na olela tena okande miso pasi. Et puis quand on est rentré à la maison, j'ai dit à maman, maman, j'ai mal au cœur, je n'arrive plus. Et quand j'ai dormi même, je n'arrivais plus à respirer, je ne respirais plus. Tango na bandai koyoka pasi wana soki na lali. Avant de partir à l'hôpital, trop matin là, mon père était entré dans sa chambre, il ne savait pas, j'étais devant sa chambre et j'étais en train de pleurer. Je disais à Dieu, c'était David, aie pitié de moi. Wana tolingai tokende na l'hôpital, papa bandai ko mbongisa na suku na yenga na kusali bosa suku na yenga na bandai ko loba nzambe mwana na Dawidi yokelanga mawa. Je disais, Jésus, je t'en supplie, fils de David, aie pitié de moi, sauve-moi de cette maladie du cœur. Tabando yebisa Yesu mwana na Dawidi yokelanga mawabiki sanga na bokono ya motema. Je vais être comme tous les enfants. Nalingina zala lokola bana nyonso. Et quand on est allé à l'hôpital, on est arrivé. Tango tokomi na l'hôpital. Les docteurs, les médecins ont regardé. Dans l'écran, sur l'écran. Monganga tali na masini. Et le médecin a vu que les trous là qui étaient ouverts se refermaient. Pe monganga yoko mona ete litusu ezaki na kati ya motema na ngai ezaki akofungwama ekangami. Betela Yesu maboko. Quand je suis rentré à la maison, na sima tango to sisi na l'hôpital to zongi na ndako, j'ai dit merci à Dieu. Na pesi nzambe matondi. Je pleurais. J'ai dit qui peut faire ça, Jésus, merci. Na bi na na koko sala makamba bo Yesu, merci. Tu m'as guéri. Il y a même les autres enfants jusqu'à aujourd'hui sont toujours morts, mais ils souffrent toujours de cette maladie. Dieu merci. Yesu matondi po ezana bane bele bazaki na bokono ba musuba kufi ba musuba na bokono kasi yo salinga ngolu na biki. Je te remercie Éternel, c'est ce que j'avais dit ce jour-là. Na pesaki Yesu matondi mokolo wana. Et je remercie aussi le Dieu de papa et maman Olangi, ce que tu as fait dans ma vie. Na pesi Yesu matondi mingi epa nzamba papa na maman Olangi na papa na maman Olangi po na oyo nzambe la bango asali na bomo inangai. Betela Yesu maboko. Et je remercie aussi mes parents. Na pesipe maton ne papa boti nangai. Papa Adolphe. Papa Kaumba. Et maman Dorcas. Na maman Dorcas. Maman Dorcas, elle m'a appris la prière, comment j'ai né. Maman Dorcas, elle a dit singa nenga ko sambela nenga ko kila. Et des fois même on partait avec elle à la retraite, à la veillée. Elle m'apprenait comment à prier. Maman nanga bandola kisanganini na kosambela. Et j'ai aussi appris la prière à l'école Béré. Pena yekolisu kosambela na été lo Béré. Je remercie aussi mes frères et ma sœur Déborah. Na pesi pe matonde pa bayana ngai Déborah na ndekulanga mobali. C'est parce qu'elle m'a aussi accompagnée dans la prière. Oh, y'a un angapé Déborah, bandeau me mangai kuna na prière. M'ont appris comment gêner, m'ont appris comment prier. Je les remercie aussi. Na pesipe matonde pa baya na ngai ami bali yo bandeau po kenena nga na cri de la fin. La Gabrielle, les encadreurs, les cris de la fin. Merci maman, je suis venue déposer mon action de grâce.
Alléluia. Nous acclamons les rois des rois. Pour les grands témoignages. Les Jaïdes. Pour la guérison de Dieu dans sa vie. Nous acclamons les rois des rois. Tout cela à cause de leur maman. Nous avions dit la dernière fois que celle qui veut ici sa maison, c'est la femme vertueuse. C'est une fille courageuse, une femme courageuse. Donc. Amen. C'est celle qui bâtit sa maison. Amen. Donc, quand ça a l'objet, la prochaine fois que l'on va vivre, elle viendra témoigner. Tanga oti bujimai. Elle est venue de Bujimai. Azaki na bongote. Elle n'avait pas l'argent. Wa nanga na introduit témoignage mais na okene musikate. Mais moi j'ai introduit juste son témoignage. Azaki na bongo. Elle n'avait pas l'argent. Asombi mutuka. Elle a eu l'argent, elle a acheté la voiture. Odiadu ka chauffeur. Au lieu de trouver un chauffeur. Yemoka koma ki taximètre. Elle même a commencé à conduire les taxis. Ona kotambu isa mutuka na ye. Elle même a conduit sa voiture. Atiki bana na école. A quoi tu prières? A sali taxi? Après faire les taxis. Bana badé. A foutindako. Suite à vos commandes après, acclamer le Seigneur. Donc, que ça, ce n'est que l'introduction de la témoignage de Dorcas. Donc, il y a un résultat, si il y a taxi mène, taxi woman. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Amen. La femme est sage, j'ai bâti sa maison. Nous sommes venus au combat, ce n'est pas pour être des femmes mendiantes, des femmes paresseuses, des femmes pleureuses. Pleureuse, il y a la Bible. Ça veut dire, il y a Mawa, Tolé Nabanate, il y a Nafouti Babinerva de terre. Ça, ce n'est pas le ministère des combats. Ça, ce n'est pas le message du combat spirituel. Ça, ce n'est pas nous. Ça, c'est le diable. Le diable vient dans des chambres, les rêves. Batoba comme à Mandia. Oliola Babenia. Dorcas a étudié. Dorcas a tangi. A Luki Moussala te. Elle n'a pas cherché un travail. Bon, Azaki Nagona Mouka, elle a préféré être taximène. Hein? Le paix qu'elle avait. Au lieu de partager l'argent avec un taximène. Hein? Pour faire étudier ses enfants. Pour attendre sa banane. Chercher la maison. Alukandabo. Bien manger. Aller sa banane. Bien étudier. Pour qu'on ait suite. Taxi Wana et Bote et Lokonini. Dorcas aujourd'hui, elle est parmi les grandes. À cause des taxis, il a acclamé le Seigneur. Au cas où vous témoignez, il y a Dorcas. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Merci beaucoup, je vais prier. Pour toute la famille. Je suis pas paralytique. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas l'évangile. Diable a dit par la communauté. Toi, ma femme est des fois. Ma femme est courageuse. A la communauté à Mandia. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons des actions de grâce. Ta parole est véritablement parole de Dieu. Lorsque nous appliquons ta parole dans nos vies, réellement nous verrons la gloire de Dieu. Nous bénissons ton nom pour Dorcas qui a quitté Bujimai. Son mari a suivi avec les enfants. Dans la souffrance, elle a fait étudier les enfants comme taxi woman. A circuler la ville de Kinshasa qu'elle ne connaissait pas. Seigneur, tu as guéri sa fille Jaël. Tu as donné les diplômes aux autres. Tu as béni son mari aujourd'hui dans les affaires. Elle-même, tu l'as béni au centuple. Tu as fait d'elle une femme parmi les grandes. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta fidélité. La Bible dit, tu honores ceux qui t'honorent et tu honores ceux qui te craignent. C'est en te craignant, nous obéissons à ta parole. Et tu fais éclater ta gloire dans nos vies. Merci pour la protection que tu leur accordes. Merci pour la vie de Jaël. Seigneur, que sa vie soit cachée à Christ dans les lieux célestes. Nous scellons ce témoignage dans ton sang. Donc, mon côté, ma sissière, mon côté, ténèbres, mon côté, à côté de la flèche à moi, nous sommes comme Yahisou. Quelle que soit l'association des malfaiteurs, voyez, ils ont la 17e mairie. Voilà, à côté de la flèche. Dans ma témoignage de Zako Sala, on a saboté ma témoignage en Abisso, et si on s'allie, on a continué la yo moto en Zambé, yo moto en mission,
Et ça prend à quoi enregistrer ma témoignage. On a combien ma maison kilte, on a combien madame Renault ya mai, moi to ya nzambe ici qui ça yo, que tu sois maudite au nom de Jésus. Ba on a soba ya kana ba mission. La cité de triomphe. On a concerné confusion na kati ya ba témoignage ya ba nzambe. Quelle que soit ta mission, que ta mission s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Quels que soient les émissaires de Satan, ceux qui viennent ici pour détruire, qui viennent ici pour enregistrer des messages, bon, on a barré nos yaboutous, parce qu'on a battu Bayoka, va détruire, va saboter, la Zaliko Bébisa, va parler à Bango, mais là, on a Bango Nyoso, satanique, au nom de Jésus. Maintenant, il y a Zambé, et il y a confusion. Naba pareil, naba maboko, naba matoyi, ya bango, ya sabotage au nom de Jésus. Nazari ko sanctifier, et si quand dans le sang de Jésus, nazari ko couvrir famille mobima dans le sang de Jésus, je sais que le travail que tu as commencé dans cette famille, tu vas achever, tu vas élever, tu vas donner la grandeur dans cette famille qui a quitté Bujimai pour venir à Kine, ils n'ont pas regardé les hommes. Ils se sont appuyés sur toi, seulement sur toi, et tu as éclaté ta gloire dans leur vie aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez les rois des rois. Nalinga qui, personnellement, dans la chérie Nanga, coupé sa maman à papa, on a dit merci. Pour la nyonso, oh, y'a sali, n'a qu'à bon mon abisson. Je suis maman qui a été élevée. Je suis une 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 maman qui a été élevée. Je remercie papa et maman Oki. Je remercie le papa et maman Oki. Je remercie la délivrance. Je remercie le sur place de la Nzambe Nyonso. Au baso sunganga moi il butu ma carte de délivrance à remercier couple papa Jeff Kembolo maman Badia maman Chibombo au bakoti singa pe musindo ya pleureuse à remercier pe papa Élisée de a petit penza ba marto na carte musindo po na tele maliboso boipe Nzambe apambola bino. Dans un résultat, il y a gloire à Jésus. Les résultats qui nous sont présentés, c'est malheureusement seulement les résultats des examens sanguins. Ici, il n'y a pas les résultats d'échographie. Il n'y a pas de conclusion. Mais ce que nous pouvons dire, on nous donne les dimensions des trous cardiaques, du canal de communication qu'il y avait entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Normalement, dans le cœur d'une personne, le cœur est divisé en quatre parties. Le cœur gauche ne se mélange pas avec le cœur droit. Mais chez cet enfant, il y avait une communication entre le cœur gauche et le cœur droit. Il y avait un trou d'environ 42 mm. Mais après, on voit qu'il n'y a plus de trou. Nous bénissons le Seigneur. En dehors de ça, on nous montre aussi les gaz sanguins. En fait, les gaz sanguins, c'est lorsque il y a mélange entre le sang du cœur gauche qui contient beaucoup d'oxygène et le sang du cœur droit qui ne contient pas de l'oxygène, alors les gaz sanguins vont montrer qu'il y a beaucoup de CO2. Mais maintenant, chez l'enfant, comme il n'y a plus de mélange
entre le sang du cœur gauche et le sang du cœur droit, on voit ici que les gaz sanguins sont redevenus normaux. Dans tous les cas, ici ça nous montre que cet enfant n'a plus de cardiopathie. C'est un miracle que le Seigneur a fait. Nous allons acclamer le Seigneur. Miracle, acclame le grand roi. Bien-aimés, nous voulons encore adorer ce grand Dieu qui fait des grandes choses. Au début de cette adoration, il nous a dit, il va donner la forme aux choses qui étaient informes. Incline ta tête, tu vas adorer, parce que toi-même tu vas recevoir un miracle. Là où le siècle présent avait déformé, ce Dieu-là va former. Nous voulons l'adorer, le grand roi. Seigneur, dans les lumières, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, dans les lettres hautes, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, dans les lettres hautes, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, Seigneur, dans les lettres hautes, que ton nom soit sanctifié. Oh oui, Seigneur, dans les lettres hautes, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, dans les lettres hautes, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, Seigneur, dans les lettres hautes, que ton nom soit sanctifié. Oh oui, Seigneur, Seigneur, dans les lettres hautes, Jésus, que ton nom soit sanctifié. J'étais malade et tu m'as guéri. Que ton nom soit sanctifié. Oh oui, Seigneur, dans les lettres hautes. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, Seigneur, dans les lettres hautes. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Oh, ce soir, Seigneur, dans les lettres hautes. Oh oui, et que ton nom soit sanctifié. Oh, Baba. Hakuna Mungu kama wewe, Bamba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe, Baba. Baba wa mbinguni, Baba. Hakuna Mungu kama wewe, Baba. Baba wa mbinguni, Weli ye. Hakuna Mungu kama wewe, Weli nju yoyo. Tena, hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe, Baba. Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe, Baba. Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa yote Bwana, hakuna Mungu kama wewe. Pokea shangwe yote kwelie, hakuna Mungu kama wewe, Baba. Baba wa mbinguni, wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Kweli Baba, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Niseme nini mbele zako, hakuna Mungu kama wewe. Bwana wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe, Baba. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Heri Baba, Baba wa mbinguni, kweli ye, hakuna Mungu kama wewe. Kweli ni nani kama wewe, Baba? Come on.
Dieu de miracles, grand guérisseur. Il mérite des acclamations. Qui peut opérer comme lui? Qui peut guérir comme lui? Qui peut faire des grandes choses comme lui? Des cris de joie, des cris de joie.